Top départ, c'est bon, on y va. Quel est votre état d'esprit au lendemain de cette défaite? Allez-y. Je pense que mon état d'esprit personnellement, faut tirer des leçons. Je m'a dit, je pense qu'on ne va pas tout bafouer. La première période, on a montré que nous sommes une équipe qui a vraiment une envie. On a perdu, mais il y a encore partie remise, il y a encore deux matchs à jouer, deux finales à jouer. Et je pense que le plus important, c'est de regarder devant maintenant et faire une autocritique et avancer. L'une des grandes particularités du Cameroun, c'est son mental. Mais lors de ce match, lorsque vous avez pris ce but, on n'a pas senti ce mental-là en seconde période. Qu'est-ce qui s'est passé avec, avec vous? De mon point de vue, je pense que mes coéquipiers ont essayé, on a essayé tous ensemble d'apporter une motivation de plus, mais peut-être elle n'a pas été suffisante. Mais je ne vais pas, comme j'ai dit tantôt, je ne vais pas tout bafouer. Nous avons commencé ce voyage ensemble et je pense qu'il y a encore, une opportunité devant nous. Comment jugez-vous votre prestation personnelle, Daryl? Bon, sincèrement parlant, c'est d'abord le collectif. Hein. C'est le collectif qui est le plus important. Si on a perdu ensemble, on gagne ensemble. Je pense que si on gagne, ma performance aussi, je pense qu'elle sera meilleure afin que le Cameroun puisse avoir une victoire et des points. Alors, pour la première fois, nous avons vu vous passer plus de 15 minutes avec le coach avant la session de training. Dites-nous ce qui vous a transpiré pendant la session de training. Juste coach, exactement. Coach, qui est No, I think normally, like every game, you know, you have like a talk with the coach, you know, he try to give you some new advices about the next game, to make some, I would say, like a small topic from yesterday's game, but it's normal. And about that yesterday game, don't you think so much was lacking that you have to correct? Yeah, I would think that if you look at the first half we have more opportunity to score goals, and I know that if we should score those goals, then we should win the game. But you know, in football, if you don't score, maybe you concede. This will never change. You watch the game Brazil versus Serbia. When you watch that game and you see the caliber of players and the way they play, do you think Cameroon has a chance? Yes, because if you look at the history of our countries, you know, we always, stay focused and we never give up. And I think we have a team and a player with qualities. And I know that we can still improve for the next game. Votre meilleure position sur le terrain, vous allez jouer devant la défense ou bien en milieu arrière? En ce moment parlant, moi je suis un joueur d'équipe. Je suis un joueur d'équipe, donc je m'adapte avec le positionnement que l'entraîneur me donne, parce que le plus important. Ce n'est pas ma personne à moi, c'est sa portée, ma partition pour l'équipe nationale de mon pays, défendre ses couleurs à la commande. C'est bon.